parmi les favoris aujourd'hui malheureusement tombé. Et j'allais se porter vers un Fabrice Saint-Jean pour s'imposer. Demain au cœur pour la deuxième place. Lénine, il y a bien la troisième et la quatrième place, il me semble, pour le Solonais. Félix Gallant sans doute. 406, c'est un nouveau quart de finale chez les pupilles, avec Tony Roturier de Champé qui a pris le meilleur sur Melvin Guillot. À l'issue de cette première ligne droite, en troisième position, on va retrouver Tom Valtener. Cornemont donc en troisième position, et à la quatrième place, serré, très serré entre Vesoul et Messini et Ventoux, Ethan Kéré ou Enzo Burdi. Pour l'instant, à l'avantage d'Enzo Burdi, le pilote de Messini et Ventoux, qui occupe la quatrième place et qui revient même sur la troisième position. Le retour également d'Ethan Kéré. Ça va être très très serré dans cette dernière ligne droite. Tony Roturier semble se diriger vers la victoire. Melvin Guillot va aller chercher la deuxième place. Et pour la troisième position, ce sera Enzo Burdi. Et la quatrième, très serré. Avec finalement.